Donc aujourd'hui, pour ne pas changer, en ce moment c'est la Saint-Valentin, donc on va se faire une race parce que mon chéri il va arriver, il est 14h17, je vais vous dire tout à l'heure à quelle heure je finis. C'est un make-up assez rapidos pour se falsifier un peu la tronche de façon à séduire son amoureux ou pas. Mais moi mon amoureux il m'aime avec son make-up, hein, je te le dis direct. Alors dans un premier temps, je vais mettre cette petite crème d'amour, c'est pour le visage, corps et les mains. Lotion aux huiles essentielles et vitamine E, amande, aloe vera riche, franchement c'est une tuerie, c'est la marque Lauren Caddy. Et je remercie ma sahbi qui m'a, j'en ai mis sur moi, qui m'a envoyé tous ces produits, mais c'est, franchement c'est trop gentil, un truc de malade. J'ai découvert leur site grâce à toi et ces produits m'ont l'air d'être merveilleux. J'ai pas encore testé parce que c'est dans la prochaine vidéo, on va le faire ensemble, parce que c'est des produits à utiliser d'une telle manière qu'ils sont si précieux. Bref, encore merci, Sarbi Audrey. Donc, hop, j'en mets un petit peu. Eh, cette crème, franchement, c'est du lourd, même l'odeur. Il y a une Sarbi qui m'a dit que Tiffany Cat, que j'aime beaucoup d'ailleurs, si tu passes par là ou si jamais, je te fais un bisou. Elle a parlé de ses produits crème dans une de ses vidéos. D'ailleurs, j'ai dû la rater parce que je regarde ses vidéos. Bref, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et elle en a parlé et elle kiffe cette gamme. Ben, ça ne m'étonne pas parce que franchement, quand j'ai lu le site, je me suis dit, je vais tomber amoureuse, je crois. Je vais tomber amoureuse. Donc, nous voilà hydratés. Ah ouais, avant tout. Alors ça, je crois que c'est une Sarbi qui m'a envoyé ça. Je sais pas du tout ce que c'est. On va l'ouvrir ensemble. C'est Sarbi Linda. Je sais pas ce que c'est. Ça. On va l'ouvrir parce que ça m'intrigue depuis tout à l'heure quand même. Ah mais si, je sais. C'est une Sarbi qui vend des sacs. Et franchement, ils sont trop mignons. Et elle m'a dit d'en choisir un. Et je te remercie encore une fois de ta confiance. C'est super gentil. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font confiance à Tata. Ils aiment ma manière de parler. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Bref, super bien emballé et il est canon, je m'en doutais parce qu'il était déjà canon. Ah ouais, il est sublime. Par contre, moi, je croyais qu'il était plus petit. Je suis un peu plus petit sac, mais tu vois, le changement, c'est la vie. Oh, mais qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? Oh, mais elle est trop mignonne. Oh, mais c'est trop mignon. Regardez qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans, un petit porte-clés. Ah, ça va être mon sac de clés, celui-là. Par contre, il y a une Sarbi qui m'a dit, ne mettez pas trop de clés sur votre clé de voiture. N'importe quoi, la meuf. Ne mettez pas trop de porte-clés sur le clé de voiture parce que ça bousille Neyman. Oh, j'ai enlevé tout mon bordel, j'ai gardé Wahda une clé, ça suffit. Parce que si je bousille ma bagnole, elle m'est... Téma, elle est trop mignonne. Comme par hasard, le jour de la Saint-Valentin. Truc de ouf. Mmh. Oh, t'es trop mignonne. Non, mais je suis émue. Oh, mais c'est trop beau. En plus, tu sais quoi, j'ai pas de montre. Ah, elle est trop belle. Attends, je vais zoomer. Je vais un peu donner ma race, sinon je risque de faire des émus. Elle est trop trop belle, la montre. Ah, j'adore, avec son bracelet qui va avec. Magnifique. Ben franchement, merci beaucoup. T'es trop mignonne. Elle est trop belle, il y a un arc dedans. Elle est magnifique, la montre. Ah, je vais la mettre direct. Ah, c'est trop mignon, franchement, t'es trop mignonne. Je sais même pas quoi dire. Le sac me suffisait, ma Sarbi, hein. Fallait pas faire ça. Il est magnifique le sac, très très bonne qualité. Si je ne me trompe pas guère, c'est comment on dit, une inspiration d'un grand sac. Enfin, je sais pas comment on dit ça, mais t'as compris. Ah, il va bien. Oh, le premier sac féminin dans ma carrière, c'est un truc de fou. Il est magnifique, très très bonne qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. Rien à dire, très bien emballé, très bonne qualité. Franchement, merci beaucoup, t'es trop mignonne. C'est super mignonne. Et il me va trop bien, je kiffe. C'est un truc de ouf. J'aime trop. Non mais la meuf, elle fait... ça y est, elle fait sa miniature. Miniature, arrête. Bon, alors franchement, t'es trop mignonne. Je te remercie infiniment, c'est trop, trop mignon. Mon Sarbi, il va venir avec moi. Elle est trop beau. En plus, c'est un anti-stress. Tu lui écrases le coche. Ça te déstresse. Il est trop mignon. Et ça, ça va être un porte-bonheur pour Tata qui a beaucoup de valeur sentimentale. D'ailleurs, tout ce que vous m'avez envoyé, mes Sarbi, je l'ai toujours. Et en plus, elle m'a mis un petit mot d'amour. C'est franchement trop mignon. Trop, trop mignon. Ah, des cartes de visite, ça déchire, ça. À chaque fois que... Ben, je vais les laisser là et je ferai connaître à mes princesses. Alors, en fait, elle m'explique qu'elle a des nouveautés tous les 15 jours et qu'elle a peu de stock pour pouvoir changer régulièrement... en fait de modèles pour varier ses modèles, ce que je comprends entièrement. Donc tous les 15 jours à peu près, voilà.
En fait, en gros, si vous voulez le même sac que moi, il sera pas disponible malheureusement ni la montre. Mais c'est vrai qu'il y en avait un autre semblant qui me plaisait beaucoup d'ailleurs. Et il y en a d'autres, il y a d'autres modèles régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller checker tous les 15 jours, vous verrez des nouveaux modèles en fait. Tout... Voilà. Mais comment je parle moi? Putain, je sais même plus parler. Et elle fait attention à choisir de la bonne qualité. Et ça se voit parce que son sac, il est nickel. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et merci beaucoup. T'es vraiment un amour. Donc merci beaucoup, Sarbelinda. T'es trop mignonne. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, passons au tartinage de notre race. Je vais prendre en teinte 150 le fond de teint de Fenty Beauty. En ce moment, je le mets parce que j'ai besoin d'une couvrance mémorable, tu vois. Je te montre l'avant. Constate. Et je reviens quand j'ai fini. Tac, tac, rac, rac. Métamorphose, comment devenir une arnaque en 10 minutes. Donc après on va réchauffer un peu le teint. Avec la palette que ma soeur m'a offerte, je la kiffe, un truc de fou, cette palette Tarte. Et si vous pouvez acheter n'importe quel modèle de palette Tarte, franchement essayez mes Sarbi parce que c'est du lourd. Alors, depuis que je suis brune, ça change, je peux mettre un peu de teinte orangée. Donc je mélange ces deux-là. Là j'ai un peu la main lourde quand même. On va se calmer. Oula. Bref, on va réchauffer le teint. J'adore cette palette, elle est juste sublime. J'en ai mis une tonne. Je vais m'afficher à Carrefour pour aller faire mes courses. C'est parti. Donc, tac, tac, crac, crac, on estompe. Je mets du bronzer et je reviens tout de suite parce que ça sert à rien. Je vais estomper pendant 3 plombes. Tu vas te faire chier derrière l'écran. On va se perdre, quoi, tu vois. Donc, ensuite, je prends le duo chromatique, la poudre illuminatrice de chez NYX. Que j'ai cassé et que je suis dégoûtée parce que je la kiffe trop. Tac, tac, j'en mets ici. Tac, 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 sur ma bouche. T'inquiète, je vais estomper après, hein. Crois pas que je vais rester comme ça. En plus, là, je vois dans le retour écran, ça va être un massacre, si je n'estompe pas. Je vais me regarder de près, je vais faire mes affaires, t'inquiète pas. Oh là là, le bout de scotch sur le nez. Tac, après je prends la poudre de chez Make Up For Ever. Je taponne ici, ici, par-ci, par-là. En dessous les yeux, je matifie mon œil. C'est du travail, le chantier de gonzesse. Donc après, je sors ma palette Valentine Palette. J'allais dire de la merde. Et franchement, cette palette, je l'adore. Je l'avais eu dans la box d'Aurélie. Franchement, je la surkiffe cette palette. Hier, j'ai fait un make-up dans les tons rosés. Et franchement, j'avais une bonne mine. Donc je me suis dit, parce que j'avais essayé quand j'étais blonde et j'aimais pas du tout. Je me suis démaquillée dans la foulée. Mais là, franchement, ça passe crème. Donc on va le faire ensemble. Dans un premier lieu, je prends le fard bronzer de ma palette Tarte et je fais mon creux de paupière. Ce que je fais en ce moment, je kiffe. Des fois, je mélange même avec les blushs. Je kiffe, ça crée une dimension vraiment mignonne et sympathique dans sa paupière mobile que j'apprécie particulièrement. Donc, je fais ça. Et après, on va passer à une autre étape logique. Donc après, je mélange le blush orange et le blanc... Attends, je vais te montrer. Le blanc. Hadak, ma hadak. Et je vais accentuer mon coude. C'est grossier, hein. Je fais ça n'importe nawak. Et t'inquiète, le résultat sera à la hauteur de nos espérances. Tu stompes, tu stompes, tu stompes, tu stompes, tu stompes, tu stompes. Ça fait vraiment un smoky. Tu vas voir, il va être mignon. Hier, je l'ai fait, j'ai kiffé de ouf. Je trouve que sur les brunes, ça ressort très très bien. Donc, est-ce que je suis flou ou je suis pas flou? Je suis miro, je vois rien. Après, je vais reprendre la palette Valentine et je vais prendre ce fard et ce fard. Merde, je ne vois rien. Ce fard et ce fard. Si tu as des couleurs similaires, alors il y a Benti, tu n'as pas besoin d'avoir cette palette pour faire la même race que Tata. Donc, alors attends, je vais improviser parce que en réalité, je me rappelle plus trop des couleurs que j'ai pris en réalité. Donc, on va le faire grossièrement comme as. Et après, on va estomper. On va rajouter un peu de couleur foncée dans le coin externe pour apporter une dimension secondaire. Tu tapotes, tu rajoutes de la matière jusqu'à ce que ça te convienne.
que la pigmentation te valorise ta paupière mobile. Je sais pas comment t'expliquer. T'inquiète, après on va estomper. Comment c'est pas à me tacler. Déjà, je suis pas une meuf qui fait des smoky eyes. D'ailleurs, j'ai trouvé, je suis tombée sur une chaîne d'une très jolie jeune fille ce matin qui a fait un magnifique smoky. Je vous le partage dans la barre d'infos, allez voir, c'est vraiment canon. Ça m'a donné envie de me lancer, mais j'ai peur de finir avec un œil au beurre noir, donc je me suis abstenue. J'ai juste regardé la beauté de sa paupière mobile et je suis partie, quoi. Voilà. Mais j'essaierai un jour. Si vous voulez que j'essaye, bah dites-le moi en commentaire. Tout simplement. Donc, on met de la matière. Et après, tu estompes. Voilà, on va estomper. Attends, on va estomper. Mais on va estomper avec ce fard, qui est une très belle couleur de transition. Qui se fondra parfaitement dans ma paupière mobile. Donc, voilà, on estompe. Et on se tait pour avoir plus de concentration parce que c'est un vrai travail d'artiste, moi je vous le dis. On essuie ses conneries avec un coton-tige. Ça, c'est vraiment le meilleur ami du make-up. Je te le dis tout de suite. Je prends un peu de Fix Plus de chez MAC. Ouh là là, je peux pas mettre sur la caméra, wesh. Et je prends cette sublime couleur pour mettre à l'intérieur de ma paupière mobile. Enfin, je sais pas, mettre au milieu, quoi, t'as compris. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur hier, je sais plus. Je vais prendre celle-là et celle-là. Je vais reprendre un peu de ce marron. Donc après, pour camoufler tout ce foutoir, on va estomper. Je mets un peu de poudre libre. Et je viens, avec un pinceau propre, travailler les matières pour fondre la paupière. Je reprends l'highlight de chez NYX et j'en mets une pointe ici. J'adore cet highlight. Et les canons. Elle est canon, je le kiffe, franchement, il est surdimensionné, j'en avais même un autre en liquide que je kiffais de ouf de chez NYX. Donc après on réestompe, on a que ça à faire, j'ai envie de te dire. Réestompe, vaut mieux trop estomper que pas assez, parce qu'après tu t'affiches. On a toutes fait une fois, on croyait qu'on était bien maquillé. Moi la première dans mes anciennes vidéos c'était un massacre. On croit qu'on est bien maquillé, au final c'est un massacre. On est sûr de soi en plus, c'est un truc de fou. Ça se trouve même là, je suis en train de le vivre et je ne me rends pas compte. En même temps il faut être un peu indulgent avec Tata parce que c'est la première fois que je mets autant de make-up sur ma race. Donc sois un peu mignon quoi. Je sais pas ce que je veux dire. Après je mets mon liner de chez Aiko. Franchement, je l'aime bien celui-là, c'est celui que je mets en ce moment, il faut bien que je le termine, donc voilà. A chaque fois, vous me demandez comment je mets mon liner, mais tu vois, c'est très simple. Tu prends ton temps et tu suis tes yeux. Pour faire la virgule, là, déjà j'arrête de respirer. Faut que t'aies un air étonné pour driver ta paupière au mobile un peu cher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Are we two, baby? Je mets un peu de crayon blanc Aqua XL de chez Make Up For Ever en muqueuse. Donc après on va s'attaquer aux sourcils avec ce fabuleux produit de chez SLA. Que j'ai en teinte 10, c'est un gel à sourcils qui est formidable. Je vais vous le montrer, franchement, c'est une tuerie. Je le kiffe, il bouge pas de la journée, c'est une tuerie. Donc je vous laisse apprécier l'avant. J'ai dit quelques... D'ailleurs, je vais aller faire mes retouches toujours à Versailles, avec Sophie, parce que franchement, cette équipe est formidable. On va y retourner dans pas longtemps avec ma Leslie. Donc voilà, ma Julie, ma Leslie, n'importe ma wak. Donc voilà comment elle se présente, elle est superbe. Franchement, elle paraît un peu bizarre la couleur, mais elle est parfaite quoi en fait. C'est un truc de malade. Donc je prélève un peu de matière que je réchauffe sur ma main. Tu vois. Alors ici, je fais comme ça.
campus, recolorer les sourcils, ça les fixe, c'est génial. C'est une cire, en fait, au début, il y a quelques petits résidus, mais quand tu les coiffes, après, il n'y a plus rien, et c'est magique. J'adore ce produit. Ça, avec ça, tu peux être tranquille. Tu peux même mettre tes chars de sourcils en haut pour les couper, c'est formidable. Tu vois, tac, tac, tac. Et après, tu coiffes. Et mon pinceau, il est plein de poils. Demande. Voilà, et ça est fixe et ça ne bouge pas de la journée. Je kiffe ce produit. Donc voilà ce que ça donne. Encore une fois, merci SLA de m'avoir accepté sur Octoly parce que franchement, j'ai kiffé ce produit grave. Donc après, j'ai reçu de chez Too Faced le Better Than Sex que j'avais déjà testé et que j'adore. Donc voilà pourquoi je l'ai redemandé sur Octoly quand je l'ai vu, parce que je kiffe ce mascara. C'est une tuerie. Donc voilà, celui-là, je peux vous le conseiller à 200%, c'est une tuerie. D'ailleurs, je vous avais parlé du dupe en supermarché. Il est archi lourd. Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu parce que j'avais fini le mien. Et bref, c'est une tuerie ce mascara. Et le dupe en supermarché, c'est celui de L'Oréal, le Ecstatic Paradise. Non, franchement, ce mascara, c'est une tuerie. Et merci à Tantaïst de m'avoir accepté sur Octoly. Ça m'a fait grave plaisir. Ça fait plusieurs fois que je constate avec inquiétude que plus je vieillis, plus j'ai des trucs chelous sur ma race. Et tu vois, dans mes cils, j'ai un cil qui pousse au premier étage. C'est comme si tu avais des chars, une frange qui poussait un œil. Hein. C'est un délire, quoi. J'ai un poil, il est au-dessus de la ligne. Il est limite sur le trait de limite de mon eyeliner et il me passionne. Non, mais franchement. Ce mascara est merveilleux. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je suis sûre que vous êtes du même avis que Tata. Après, on n'a pas toutes les mêmes cils. Hein. Donc, je pourrais pas dire pour les cils qui sont pas pareils que les miens, quoi, tu vois. Et aussi, un autre truc, si vous vous demandez d'où vient ce pull, il vient d'Amazon, mais je te cache pas que je l'ai lavé au moins 5 fois avant de plus sentir l'odeur de Schneewa. Je me suis même dit à un moment donné, j'avais l'impression qu'il y avait un petit qui me disait « Sors-moi, sors, s'il te plaît !» dans le pull, tu vois, tellement que ça sentait le Schneewa. Et vraiment, quoi, c'est un truc de maintre. Enfin bref, c'est pour ça que je t'ai pas mis le lien en barre d'infos, mais si tu le veux, demande-le moi. Je tâcherai de m'exécuter et de te le mettre. Mais franchement, le pull qui sent le Schneewa, quoi, c'est un truc de malade. Je sais pas, ça sentait, je sais pas, l'usine, le pétrole, tout en même temps, quoi. Marc, si tu veux voyager, c'est pas mal, quoi. Tu vois, tu sens toutes les odeurs du monde. Bref. Qu'est-ce qu'on va mettre comme rouge à lèvres? J'ai reçu 4 nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora, dont 2 que j'adore passionnément à la folie. C'est le 9 et le 27. Et franchement, à 8,90€, franchement, le packaging est mignon. Ils tiennent pas mal, quand même. Pas mal, pas mal. Hier, je l'ai mis, j'ai mis celui-là. D'ailleurs, je vais le remettre aujourd'hui. Il ira pas avec le make-up, mais j'ai envie de te dire, je m'en fous un peu. Parce que j'ai reçu aussi le 39 et le 20. C'est des teintes un peu rosées pour moi. J'aime pas trop. Celui-là, à la rigueur, non, j'aime pas trop. Moi, mes deux préférés, c'est ceux-là, le 27 et le 9. Il est magnifique, c'est un mat. Tu le vois direct qu'il est mat là. Il est magnifique celui-là, vraiment. Magnifique. Et le métallique, c'est une merveille aussi. Celui-là, il est super joli. Donc, je vais mettre le 27, même si ça va pas avec le make-up. Je m'en fiche, je l'adore. Je persiste et je signe. Bon, ça va pas trop ensemble, mais j'en ai rien à tapailler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'adore ce rouge à lèvres. Il est agréable à porter. Donc il est agréable à porter, il est super joli, j'adore. Je vais peut-être le changer après, mais c'était pour vous montrer plus qu'autre chose et parce que je le kiffe d'amour. Bref, j'en ai fini pour ce ravalement des façades. Je vais me rajouter un peu de blush muley parce que j'ai l'impression d'être cadavérique, mais c'est pas le cas. Pas trop non plus parce que j'en ai mis 3 tonnes aussi tout à l'heure. Faut arrêter de décoller. Surtout que la lumière de la baraque, c'est pas la même que dehors, donc c'est très dangereux. Bref, je suis prête, je vais mettre un peu... le parfum de Courage. J'aime trop ce parfum. D'ailleurs, je vais donner la petite miniature à ma copine Alexandra. Elle a kiffé, je suis bien contente.
Ça fait plaisir. Parce que franchement, ils sont trop bons. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, en parlant de make-up, avant que j'oublie, parce que moi j'oublie tout à la seconde, il y a une Sahbi qui est adorable de ouf. Elle fait des make-up de folie sur son Instagram. Je vous mets ici son Instagram. Franchement, pour moi, elle mérite d'être connue. Et la dernière fois, elle est trop mignonne. Elle m'a fait un tuto en photo qu'il faut absolument que je reproduise avec la Juvia Palette, ou je sais pas comment elle s'appelle, la palette là. Bref, elle est trop mignonne. Allez la soutenir sur son Insta. Elle te fait des make-up. Truc de ouf. Moi, c'est mes profs, ces gens-là. Faut pas croire. Hein. C'est mes profs, moi, les gens comme ça. Toutes les filles qui se maquillent bien sur YouTube, elles apprennent à tata en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est la grande école, les amis. On s'entraide, on s'enjaille, on se make-up en même temps. Tu vois? Non, il y a des talents sur Instagram, sur YouTube, il y a des talents. Donc je te le mets là. Parce que Beskida, ça fait longtemps que je dois faire la vidéo et comme je suis une gogole, ben, je l'ai pas encore faite, tu vois. Continue dans ce que tu fais, ça te déchire de ouf. Et crois en toi. Bref, je sais que tu iras loin parce que ça se voit. Et tu sens le talent à distance, tu sais. On a des GPS de repérage de talent, tu vois. C'est un truc de fou. N'hésitez pas bien sûr à me dire si je me suis massacré la tronche ou si je suis fraîche comme un gardon. Voilà. Et si je vais séduire mon Valentin ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je vais le pêcher direct. Et à chaque fois, vous me demandez comment Kartaï elle va. Kartaï elle va bien. Elle est là, Kartaï. Toujours opérationnelle. D'ailleurs, si vous avez un chien, petit aparté canine, parce que moi je le fais à Kitty et j'ai trouvé la solution adéquate pour le faire. En fait, c'est couper son argot qui est là. Il y a un argot, un petit. Attends, maman, elle monte. Maman, elle a coupé les ongles. Tu vois, l'argot qui est là, là des fois, il pousse en fait comme ça. Il faut faire très attention parce que ça peut rentrer. Check, Kartaï, check, check, Kartaï. Mon. Il faut faire très attention parce que cet ongle, il pousse comme ça et il peut rentrer dans le coussinet. Il y a des chiens qui se font opérer pour ça. Il faut faire très attention, il faut les couper en fait. Parce que sinon, c'est là le bordel quoi. D'ailleurs, celui-là, je l'ai trop bien coupé. Et j'ai trouvé l'astuce parce qu'on m'a vendu un ciseau qui est 10 fois trop grand pour ses petites pattes, mais ce qu'il a pour être. Et j'ai pas compris tout de suite que je me suis fait carnaval en gros. Mais j'ai pris un coupe-ongle en fait. Un gros coupe-ongle. J'ai réussi à mieux couper l'argot là. Parce que c'est vrai qu'il est difficile d'accès. Et en plus, elle. Kartaï, voilà quoi, elle aime pas trop ça que je touche à ses ongles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, salam alaikum les petits gens. Et Kartaï, ne vous inquiétez pas, si vous voulez la voir plus souvent, mettez, enfin, allez la voir sur Snap, parce que Kartaï, c'est ma sahbi, vous la voyez souvent sur Snap, mais sur YouTube, on peut pas faire des make-up ensemble, Kartaï. Tu vois ce que je veux dire? Mon. Oh, elle est adorable, cette bestiole. Je l'aime d'un amour inconditionnel. Et ça, au moins, ça te trahit pas, ça porte pas de jugement, les animaux, c'est les meilleurs. Best one, Kartaï. C'est la meilleure, t'inquiète. C'est les maricots mes sahbis, on se retrouve très prochainement pour une vidéo cheveux pour le repigmentant de la Hesse. Je t'en parle prochainement et je te retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'est les maricots et Jut, prenez soin de vous. J'espère que j'ai pas de rouler sur les dents Kartaï parce qu'on va se faire massacrer en commentaire. Mon bébé, mon amour, mon petit. Tu dis au revoir à mes sahbis.